Secret Story 11, ce soir dans la quotidienne, Camila et Vivian se clashent sec. Comme vous le savez, Camila et Sarah, aidées de Vivian, ont été pourvues d'une mission exceptionnelle. Le trio a une semaine pour faire croire que Camila voit d'une très mauvaise cible l'arrivée de Sarah, ce qui générera ainsi des tensions entre elles afin qu'elles deviennent les pires ennemies du monde. En effet, les deux jeunes femmes devront s'écharper autant que possible afin de crédibiliser leur mésentente. Une aigreur qui serait principalement due au rapprochement de Sarah vis-à-vis de Noré, canevas parfait pour que Camila joue les femmes jalouses, n'est-ce pas? Le premier acte a eu lieu lorsque Sarah a eu l'audace de porter l'une des vestes de Noré. Le deuxième s'est illustré lors de la soirée pyjama, lorsque l'on a demandé à Camila de se frotter les fesses contre celles de Sarah, la Marseillaise au sang chaud mais à la fierté accrue a, ici, en effet, une nouvelle fois, fait montre d'amertume à l'égard de la demi-finaliste de Secret Story 10 qui, elle, joue l'insolence pour provoquer l'ire de sa rivale. Enfin, le troisième acte s'est tenu hier, mercredi 22 novembre, suite au choix de Camila, qui n'a pas souhaité sacrifier l'intégralité de sa cagnotte, soit 2 000 euros, pour prolonger le séjour de Vivian et Sarah. Mais cette fois-ci, c'est Vivian qui joue le rôle du meilleur ennemi. Pique. Critique et arrogance ont ponctué l'esplendre qui l'ont eu avec Camila quelques minutes après son refus. Noré, éreinté, tentera tout de même de raisonner sa dulcinée. En vain. Comment Vivian, Sarah et Camila ont-ils échafaudé cette ultime clash? Élément de réponse à partir de 18h20 sur NT1 dans la quotidienne de Secret Story. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à voter pour votre candidat préféré en cliquant ici.